allez bien? Donc aujourd'hui, je vais faire un petit retour de course et vous allez accompagner tout simplement tous les petits produits que j'ai pris. Alors, nous avons quelques produits ici ainsi que les boissons et l'huile. Donc, je vais vous montrer comme d'habitude. Vous savez, il y a certaines choses que je prends certains mois et pas d'autres. Soit parce qu'il y a des promotions et je prends en grande quantité ou soit parce qu'on a encore en stock. Donc là, nous commençons par le papier ménage ainsi que le papier hygiénique. Nous avons également les cotons à démaquiller ainsi que des lingettes bébés. Ensuite, là, nous avons la partie pour les chats. Donc, j'ai pris bien évidemment deux emballages de lait. J'ai pris de la nourriture humide. Et puis là, en fait, j'ai pris plein de petits snacks. On peut dire ça comme ça. Il y en a aussi un autre là au fond. Et sinon, ici, j'ai pris en fait ça. C'est des médicaments contre les vers. Nous avons ici le produit pour nettoyer les oreilles. Ainsi que ça, en fait, c'est ils appellent ça du déodorant en fait pour mettre dans la litière pour que ça sente bon. Nous avons ici du Ritaï ainsi que quelques pâtes. Donc là, je pense qu'on en a vraiment pour un bon moment de temps parce qu'on ne mange pas tout ça en un mois. Nous avons ici, là j'ai juste pris de la purée de tomate, j'ai juste pris deux petits emballages parce que j'en avais encore quelques-uns ici en stock. Une boîte de pois chiches, deux petits trucs de soja sucré. Ici, nous avons quelques chips, donc il y avait en promotion. Si vous voyez deux fois la même chose, c'est que c'était toujours en promotion. Donc, j'ai pris deux fois des Pringles originales, le piquant et le barbecue. Ensuite, on va venir ici au sucré. Donc là, nous avons des petits brownies, des donuts. Nous avons ici des cookies aux Smarties, des cookies au chocolat. Nous avons pas mal de céréales, donc voilà, encore une fois, les céréales, on en a pour un bon stock. Parce que c'était en promotion, ça valait la peine. Alors du coup, j'ai pris deux fois comme ça, donc ça, c'est les mini céréales. Là, il y a des madeleines. Et ici, nous avons les Golden Grams et les Cookie Crisp. Ensuite, j'ai pris ici du paprika, du pesto, ainsi du curcuma. J'ai aussi un petit pot de ketchup. Alors, c'est rare qu'on mange du ketchup, mais vu qu'on n'en a plus, j'ai quand même voulu prendre un tout petit emballage. Nous avons des olives noires dénoyautées. Ensuite, j'ai ici des petites tartelettes au chocolat, des mini pizzas. Ici, ce sont les glaces. Donc là, il y avait une promotion pour 3 acheter. On en avait une offerte. Sauf que je pensais que c'était les Mars, les chocolats basiques. C'est seulement quand j'ai été chercher les courses que j'ai vu que c'était de la glace. Enfin, j'ai pas fait attention, mais bon, c'est pas grave. On aura la glace pour plusieurs mois. Et on a ici à la stracciatella et à la vanille. Toujours dans les congelés, on a des pommes, des frites au four. Ainsi que ceci. Ceci, c'est plus pour... pour frire, épicé au petit cube. On a ici des nuggets de poulet. Et là, un petit paquet de bonbons Tagada. En partant de l'autre bout, de l'autre côté de la table, nous avons tout ce qui est chips. Donc, chips nature, les petits cônes. Nous avons du pain de mie. Ça, c'est encore des chips paysannes nature. Et puis là, nous commençons. Donc là, il y a des petits accessoires pour l'école pour ma petite. Elle a déjà voulu prendre pour la rentrée quand elle aura après les vacances. Nous avons ici des oignons, des œufs. Là, j'ai pris deux fois des nectarines parce que mon conjoint, il en mange pas mal. Et la dernière fois, je n'en avais presque pas pour moi. Donc, j'ai pris deux paquets, des poivrons, des bananes, de la betterave. Et ça, j'ai vu un TikTok. Bon, déjà, j'aime la betterave à la base. Mais là, c'est pour faire les pâtes Barbie, les pâtes toutes roses, trop, trop belles. Nous avons ici un grand sachet de laitue. Nous avons ici du chocolat pour les desserts. Voilà, pour plein de choses. Des raisins sans pépins, des surimi, des lardons fumés, ainsi que des saucisses ici. J'ai aussi voulu prendre ça pour moi. C'est du fromage grec, en fait, pour faire avec des petites tomates. C'est sympa. En parlant des tomates, j'ai pris ici deux emballages de tomates cerises. Ensuite, là, j'ai pris deux emballages de mozzarella, de jambon au poulet. Et puis, ceux-là, comme ils sont extrêmement grands, en fait, on coupe en deux. Voilà, tout simplement. Nous avons également ici tout ce qui est fromage en tranches. On a pris du beurre. Et puis, on a pris pas mal de yogourt. Donc, on a pris ceci du style Andrews à la pomme et à la fraise. Les Nesquik ainsi que les Smarties. Alors, quand j'ai commandé, il n'y avait plus les yogourts à la vanille.
Donc, j'ai pris ceci de fraise parce qu'elle aime bien aussi, la petite. Ensuite, ici, comme d'habitude, j'adore les croque-monsieur, en fait. Ils sont trop, trop bons. Il y a déjà le jambon fromage. C'est rapide. Alors, voilà, et pratique. Si jamais un soir, on veut manger, grignoter quelque chose, je ne sais pas, moi, pendant la nuit très tard, ou même pour le souper, on a la flemme de faire à souper. Moi, ce que j'aime bien, c'est prendre ces croque-monsieur avec les petites soupes qui sont aussi dans les briques. C'est juste à mettre chauffer et puis voilà. Et ici, nous avons des carottes râpées. Alors, il faut que je voie et j'espère que ça sera bon. Elles sont déjà assaisonnées par contre et je viens de voir que maintenant. J'espère que ce sera bon parce que j'avais envie de tester des carottes râpées parce qu'à chaque fois, je les achète entières. Et après, je les râpe, mais c'est vrai que j'ai 10 fois, j'ai un peu la flemme. Alors, voilà, j'ai pris ça pour tester et on verra bien ce que ça donne. Et là, nous avons du fromage râpé. Celui-là, j'ai l'habitude de le prendre à chaque fois. Hein. Il y a 3 petits sachets. Il y a aussi ceci que j'ai oublié de vous mentionner. Ça, c'est ce qu'on va manger avec la petite maintenant parce qu'il est 12h50. Ça, c'est juste mettre 2-3 minutes au micro-ondes. Et puis après, c'est fait. C'est super pratique. Alors, voilà, j'ai pris au bolognaise. Et ensuite, ici, en guise de boisson, enfin, voilà, encore une fois, j'ai pris pas mal de choses. J'ai pris tout un carton entier. Je crois qu'il y a 6 emballages de café pour mon conjoint et des fois pour moi quand j'ai envie. J'ai pris ici des briques de lait Candy Hop. Ici, c'est des briques, mais ce sont des briques de jus multifruits. J'adore. Franchement, ce multifruit-là, je l'ai ici en grand, 2 litres. Il est délicieux. C'est jus comme ça de chez Eco Plus. Là, j'ai pris aussi jus d'ananas, mais il y a aussi même le jus d'orange. Ils sont trop, trop beaux. Ensuite, j'ai pris une bouteille de coca. On n'en a pris qu'une seule cette fois-ci. Après, si on a envie, ben, on achètera ici en Suisse. Sinon, les briques de lait, on n'en a pris que 2 parce qu'on a encore un peu de stock chez nous. Alors voilà, ça ne sert à rien de surcharger non plus beaucoup, beaucoup les armoires. Après, j'ai tout simplement plus de place. Ensuite, ici, nous avons un gros truc d'huile, tout simplement. L'huile d'olive, ça c'est l'huile à frire. L'huile d'olive, j'en ai encore en stock, donc je n'ai pas du tout pris. Et puis ici, nous avons 4 bouteilles de 2 litres de thé glacé. Celui-là, il est trop bon. J'aime beaucoup aussi. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent.